I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, surtout parce que ça c'est important. La forme, la qualité dans la forme, etc. Vous allez dire, je dis des conneries. Tout ça. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel débrief de qualité quand même offensif. Voilà, comme vous avez vu, là, je suis en train de regarder un peu les résumés, un peu le match. Parce que bon, je vous avoue qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu voir le match. Et évidemment, c'est rare. Deux fois, je regarde les matchs. Deux fois, là, j'ai écouté un peu à la radio. Ça me change un peu. Donc, du coup, j'ai juste à parler des briefs que j'ai écouté à la radio et comment j'ai vécu le match de l'Olympique Lyonnais, qui était un match de petite qualité évidemment, parce que Lyon était en déplacement et un déplacement qui était peut-être piège, mais bon, comme vous avez bien vu, le match de Lyon s'est bien déroulé puisque Lyon n'était pas s'est déplacé à West Ham qui est une équipe de qualité quand même, de qualité. D'ailleurs, je suis en train de regarder le résumé du match en même temps que je vous parle. En même temps que je vous parle, je regarde le résumé du match avec la composition lyonnaise que l'on est en train de voir. Bon, vous ne voyez pas très bien d'ici, j'arrive pas à zoomer, je ne peux pas zoomer en même temps que je filme, excusez-moi. Avec Dembélé, Favre, Paqueta. On avait une équipe, franchement, le coach Bosch a fait un beau coaching, très bien. Pour moi, je dis que c'est un bon coaching, il a bien fait le taf. Du coup, le match s'est bien déroulé, malgré qu'on a pris un but dans le cours de la deuxième mi-temps, un but que Lyon a pris. Mais bon, même si on a pris un but, on va dire qu'on est toujours favori, Lyon est toujours favori pour ce match retour contre West Ham. Donc l'application du but à l'extérieur, enfin ça je comprends pas, j'ai jamais compris cette histoire-là, le but à l'extérieur existe, sert pour le match retour, mais on va dire, dans tout ça, c'est que l'Olympique Lyonnais a fait le match ne pas perdre, c'est tout ce qu'il y avait dans ce match, c'est ne pas perdre, c'est tout. Il n'y a pas à faire de 36 solutions. Le match, c'est ne pas perdre. Donc, quand j'ai vu Lyon perdre 1-0, je me suis dit, on est mal barré. Donc, Lyon a fait son match à fond. Excusez-moi. Je suis en train de voir en même temps que vous voyez, je veux voir le but lyonnais, puisque je ne l'ai pas vu, évidemment, je n'ai pas vu le but lyonnais. Bon, voici le but de West Ham. Non, même pas, c'est pas sur cette occasion. Nous allons regarder ensemble, puisque vous voyez vite fait quoi, habituel le résumé quoi. Donc West Ham a dominé, ça c'est vrai qu'ils ont beaucoup dominé Lyon, mais ils n'ont pas marqué facilement. Donc Lyon n'est pas une équipe facile, c'est ça qui est bien. Donc Lyon a fait son jeu, mais on a pris un but malheureusement en deuxième période. Un but que, normalement, je ne sais pas comment, avec une défense comme, l'allemand, Boateng. Une défense comme Boateng, je ne sais pas, il est perdu, il tourne sur lui-même, Boateng. Je ne comprends pas, moi, il tourne sur lui-même. Il devient nul, Boateng. Franchement, je ne pensais pas qu'il était comme ça, mais il est nul, franchement, nul, Boateng. Je ne sais pas à quoi il sert à Lyon, il faut, quitte à le vendre, de trouver quelqu'un qui sert vraiment à quelque chose, parce que Boateng, moi je sens que c'est pas le Boateng du Bayern, tout ça, le Boateng qu'on connaît, qui était hyper fort. Là, c'est un Boateng qui est à peine qui joue au football, quoi. Mais bon, nous allons voir le but le but qu'ils ont marqué. Je sais pas si on va le voir là ou après, parce que là, c'est la première mi-temps, exactement. De toute façon, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que l'Olympique Lyonnais n'a pas perdu, donc c'est très important pour le match retour, pour éventuellement gagner le match retour. Mais déjà, pour gagner ce match retour, il faut être la motivation. Je pense que les joueurs avaient un manque de motivation, et puis avec les supporters qui mettent la pression pour que West Ham essaie de gagner, ça a beaucoup gêné un peu les joueurs, moi je pense ça aussi. Et je pense que l'Olympique Lyonnais a une équipe qui a un peu, qui regarde un peu, qui aime bien, ils aiment bien regarder avec leurs yeux. Arrêtez de regarder les joueurs.
foncez, comme j'ai toujours dit, foncez et rentrez l'air dedans. Et c'est comme ça qu'on peut gagner des matchs. C'est pas en jouant, en regardant comme ils jouent, puisque là, on a fait que de Lyon, on a fait que de regarder l'adversaire. Du coup, c'est forcément qu'ils finissent par marquer. Donc, voilà ce qui s'est passé. Ce qui va nous aider, c'est qu'ils ont eu West Ham un carton rouge. Ça, ça nous a un peu aidé. Mais bon, sur la victoire lyonnaise, elle était un petit peu là, la petite victoire. Mais bon, je pense qu'au match retour, on va. Vous allez me dire, je dis des conneries, je sais pas ce que je dis. Oui, je n'ai pas vu le match, certes, je n'ai pas vu le match, mais j'ai entendu à la radio, donc c'est mieux que rien. Tout ce que je sais, c'est que Lyon a pris un but qui est vraiment ridicule. Je ne sais pas si vous regardez en même temps, regardez la frappe. Ça, c'est un but ridicule. Je ne sais pas si vous le voyez, regardez sa lente. Tout doucement, c'est le but le plus nul que j'ai jamais vu dans cette Europa League. Regardez, un but nul. Il tire, le ballon qui va tout doucement dans les cages et les supporters ils sont motivés comme si c'était quoi la Coupe du Monde. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'à Lyon ça sera plus le même jambon. Hein. Nous on va leur mettre la pression à Lyon, ils vont venir West Ham à Lyon et ça va pas être du jambon pour eux. Je pense pas qu'ils vont repartir de Lyon avec le billet en poche de la qualification. Non, je suis sûr et certain que Lyon va se qualifier. Donc, bon, après, avec la manière, il faut toujours se qualifier avec la manière, mais je pense que Lyon va se qualifier. Bon, voilà, vous allez me dire, c'est un match nul, pourri, mais certes, Lyon a fait un partout. Donc, voilà, les chances lyonnaises sont toujours là. Donc, moi, parce que moi, je parle, mais tout ce que je sais, c'est que les chances lyonnaises sont là. Lyon va se qualifier, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, on va quand même parler des autres équipes, comme Marseille qui s'est qualifié contre une équipe de petite qualité, alors que Marseille était favori. Ils se sont qualifiés, ils ont gagné 2-1 Marseille, mais on va dire que Marseille a un peu souffert vers la fin. Bon, après, on va dire qu'ils sont qualifiés. Normalement, ils devraient passer. Grâce à ce but, quand même, de Dembélé. C'est Dembélé ou c'est... Oui, c'est Dembélé. C'est Dembélé, ouais, c'est ça. Regardez, on regarde le but ensemble. Je ne sais pas si vous voyez bien, le but. Voilà. Il est mieux ce but, même si c'est un but à l'arrache. Le gars, il traînait, je ne sais pas ce qu'il fait. Dembélé, je ne sais plus comment on l'appelle, a marqué un but normal. Il est un peu plus beau ce but. C'est pas le but de West Ham là, qui tire le ballon, il fait toum toum toum. Non, 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 ça c'était un but, un vieux but à l'ancienne, ça. Non. Bon, on va dire que Lyon a toutes ses chances de qualification, mais il y a toujours un mais, il faut faire gaffe, parce qu'avec cette équipe de West Ham, il peut quand même faire mal. Donc, moi je pense que Lyon va être qualifié, va avoir son billet pour le prochain tour de l'UEFA Champions League. Puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Les amis, parce que moi, il faut que j'aille dormir. Demain, je travaille, puisque là, ce match-là, ridicule là, un partout. Si c'est pour regarder un partout, tant qu'à faire, il vaut mieux que j'aille dormir. C'est mieux que j'aille dormir. Si c'est pour regarder ça, quand même. Mais bon, je les comprends. C'est à West Ham. On n'est pas à Lyon, etc. Tout. Bon, les Lyonnais vont revenir, certes, à Lyon. Et le 14, le match retour West Ham face à Lyon. Là, ce ne sera plus le même jambon parce que ça va se jouer ici, là, au stade des Ligneurs. Il est juste dans cette direction, là, le stade des Ligneurs. D'ailleurs, j'y vais au stade des Ligneurs tout de suite. Et il est juste dans cette direction. Donc, Lyon va gagner au stade des Ligneurs sur un but de 2-1. Peu importe, ils vont se qualifier. C'est tout ce que j'ai besoin. Et pour finir la vidéo, je note à dire que tous les rageux là, qui aiment bien mettre des messages bizarres dans mon live, moi je suis pas là pour monter, pour dire que bon je suis le meilleur, mais je suis quand même là pour dire que moi je peux mon taf. Si il y en a qui disent que c'est pas comme ça que tu peux faire ça, tu peux faire des abonnés, chacun a son avis des choses, chacun a son avis à dire, mais tous les rageux, moi je ne peux pas comprendre, je réponds pas et je bloque sainement. Je discute pas, donc voilà. Je suis désolé pour les rageux qui commencent à dire « Ah, ta chaîne, ils ne savent même pas combien d'abonnés j'ai » et ils discutent. J'ai même plus d'abonnés qu'eux et ils viennent toujours parler, discuter. Je ne sais pas pourquoi discuter. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Quant à moi, je vais aller dormir parce que là, je crois que j'ai trop parlé. Lyon, ils ont fait match 1, c'est l'essentiel. Bon.